départ de ces 24 heures de Francorchamps, édition 1985, 59 voitures lancées pour une ronde infernale de 24 heures à 17 heures pile et un départ même bondissant sous la conduite de Walkinshaw, Percy Ayer et de Jossen Tué-Brundel. Tom Walkinshaw et Eddie Jossen pour la première ligne avec les deux rouvreurs vitesse, c'est clair, c'est propre, c'est net. La Volvo de Lindström, Bracatelli et Müller en position d'observation. Aussi Thierry Boutsen qui s'est lancé au volant de la voiture numéro 21, une BMW 635. Et d'emblée, Daniel Herregotts, une indication sur la tactique qui va se produire. Que se passe-t-il dans l'esprit de Tom Walkinshaw? Eh bien, il va passer en tête pour le premier tour. Il faut savoir que pour les annonceurs et pour tout le monde, je dirais que ce premier tour est tout à fait symbolique. Alors qu'il y a une petite fumée qui s'échappe de l'arrière gauche, peut-être le pneu qui frotte légèrement contre ou peut-être des jeunes fuites d'huile, ce qui n'est pas impossible. En jugeant d'apparence, c'est plutôt... oui, c'est pas par l'échappement que ça vient de peut-être avoir un petit peu trop d'huile dans le moteur. Donc, il est important pour eux de boucler les premiers tours en tête, quitte à par après relever le levier, car tout le monde a les yeux braqués sur qui? Eh bien, sur Tom Walkinshaw et la voiture qu'il mène en ce moment en tête de cette course, à savoir la Rover, et l'enjeu d'importance. Derrière lui, il y a Brancatelli avec la Volvo, un pilote qui a fait de la Formule 1, qui était donc extrêmement agressif, tout à fait capable de l'inquiéter. Et derrière, vous pouvez constater, ça se bagarre déjà quand même sérieusement, avec le fait qu'il y a la troisième Rover qui revient devant. Et cette fumée a quand même tendance à se confirmer. Je dirais qu'il y a peut-être un problème en perspective pour le leader. Ce leader qui tient à tout prix à boucler, bien sûr, en tête ce premier tour. Ce leader, c'est Tom Walkinshaw. Tom Walkinshaw qui vise le podium. Vous connaissez aussi ses ambitions européennes. Et le premier tour bouclé est déjà une indication, a un effet psychologique très important. Et il se pèse aussi sur la balance, car en définitive, et je ne sais pas si Tom Walkinshaw est un homme extrêmement sucré, il pose pour la photo, il pose pour les caméras de la télévision, mais il aura, s'il conserve cette place-là, il aura son poids en bonbon, et d'ores et déjà, on peut dire que la route Napoléon lui est ouverte. Incontestablement, au freinage, ça va se décider pour ce premier tour en tout cas. La Rover de Walkinshaw est tout à fait bien mise pour passer ce premier tour en tête, suivi de Brancatelli, suivi encore de la deuxième Rover.